Les dérapages intervenus au cours de l'émission Top au féminin du jeudi 17 février sur la chaîne de télévision privée TVC sont à l'origine de la présente audience publique de la HAC. Quelques jours plus tôt, le sujet a fait l'objet d'une instruction. À l'entame de la séance d'audition publique, le président de la commission de la carte de presse, de l'éthique et de la déontologie a rappelé les faits reprochés à la chaîne de télévision et à l'animatrice de l'émission. La chaîne de télévision privée commerciale TVC Bénin a initié au profit des téléspectateurs une émission dénommée Top au féminin. L'édition du jeudi 17 février 2022 a porté sur le terme Busy Girl, sexualité décomplexée ou vénale. Au début de l'instruction, le 22 février dernier, nous retenons que la rédactrice en chef, animatrice de l'émission, incriminée et chef de programme, ne dispose pas d'une carte de presse. La grille des programmes diffusée actuellement par TVC Bénin, n'est pas communiquée à la HAC en violation de la convention qui lie l'institution la société à l'institution de régulation des médias. Présents à l'audience, les deux mises en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Notre intention, ce n'était pas de faire l'apologie du busy, c'était de sensibiliser autour. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens. On s'excuse vraiment pour ça. Peut-être que nous ne sommes pas excusables, mais nous demandons votre clémence. Nous avons voulu produire une telle émission pour que le corps social tout entier puisse en prendre davantage conscience et prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir commencer par combattre le phénomène. Monsieur le Président, il ne nous reste qu'à présenter nos excuses pour vous faire la promesse que nous ferons beaucoup plus attention prochainement, nous serons beaucoup plus vigilants par rapport à ces sujets sensibles. En bon père de famille, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a prodigué aux mises en cause quelques conseils. À partir d'une faute, nous constatons qu'il y a encore d'autres fautes en arrière. S'il n'y avait pas ce dérapage, on ne saura peut-être pas que deux de vos collaborateurs ne sont pas détenteurs de la carte de presse. En tant que directeur, nous vous demandons de nous aider à mieux gérer les professionnels des médias. Madame, vous êtes jeune, vous avez de l'avenir devant vous. Essayez désormais de mieux vous contrôler. Ne vous laissez pas emporter. Après la plénière, il a été décidé, entre autres, de la suspension de l'émission pour une période d'un mois. Article 2. Le directeur de la télévision privée commerciale, TVC Bénin, est mis en demeure de veiller à la qualité professionnelle de ses collaborateurs. Article 3. Le directeur de la télévision privée commerciale, TVC Bénin, est mis en demeure de respecter les dispositions du code de l'information et de la communication et les clauses de la convention signée avec la HAC. Article 4. L'émission interactive Top au féminin est suspendue pour une période d'un mois pour compter de la date de notification de la présente décision. Le directeur de la chaîne de télévision privée TVC a dit avoir pris bonne note de la décision. Il a par ailleurs promis de veiller à sa mise en application.